sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, rejoignez-nous. Avec beaucoup de rythme. Si tu veux fixer ta boucle et que le gel ne te réussit pas, cours et ne te retourne pas. Au salon de coiffure de Fabio et Fabia, on te fait même les cils. Oh yeah! Tonton, je peux savoir ce que tu fabriques? Eh bien, je rappe. Je vais attirer de nouveaux clients grâce au rap. Que des conseils chantés pour des problèmes réglés. Pour toutes les coiffures, du succès, c'est sûr. Oh yeah! On peut remettre ça à plus tard. On a du travail. Cette boîte VIP Pets, c'est tout un mystère. Et je suis sincère. Allons voir ça tout de suite. Tellement cool les accessoires, on les réclame dans tous les territoires. Et maintenant, on arrive au moment que je préfère par-dessus tout. Tu sais qui est à l'intérieur? Je n'en ai aucune idée, mais la boîte ne cesse de couler. Oh, oui! Je pense que notre amie aime danser, et quand elle commence, elle ne peut plus s'arrêter. Bien sûr! C'est Taylor! Waouh! Trop cool ce tatouage! Ce tatouage est en même temps beau et élégant. Il faudrait lui faire une coiffure spectaculaire. Je parie que c'est ce qu'on va faire. Et si on lui faisait le look dancing style, comme l'autre jour? Après, elle a un cours de danse. Je trouve ça super, c'est un look du tonnerre. Alors c'est parti. Pour ce look, il va nous falloir le peigne de Taylor, cet accessoire qui va nous permettre de faire des mèches parfaites, deux élastiques, ces donuts qui tiendront notre coiffure, et son collier. C'est parti. Comme toujours, on commence d'abord le look par bien la peigner. On doit garder à l'esprit qu'elle a des cheveux un peu ondulés, donc ils n'ont pas à être lisses. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de nœuds. Tout à fait. Maintenant, on va lui faire des mèches assorties avec son t-shirt. Puis on prend les mèches qu'on veut et ensuite on les mouille avec de l'eau tiède. Puis on passe l'accessoire dans les mèches. Ça commence vraiment à prendre forme. Maintenant, on prend deux mèches à l'arrière de chaque côté et on les attache avec un élastique sur le dessus. Une fois qu'on a bien les deux couettes attachées, on en prend une et on l'enroule sur elle-même jusqu'à ce qu'elle soit bien tendue. Quand on ne peut plus aller plus loin, on l'enroule sur elle-même jusqu'à former un joli nœud papillon. Une fois que c'est fait, on prend l'accessoire en forme de donut et on le place à l'intérieur pour qu'il puisse nous servir d'élastique. Comme ça, vous voyez? Regardez comme c'est cool! Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Tadam! Deux petits nœuds, jolis comme tout. Tonton Fabio, j'adore! C'est de toute beauté, mais il reste un détail très important. Je peux? En avant! Maintenant, c'est l'heure de la photo pour vous sur les réseaux. C'est vraiment génial! Ce look est idéal! Allez, c'est à ton tour, ma petite nièce! Ho ho ho! Avec vous tous, DJ Fabia! Je ne sais pas si... Allez, c'est très facile! Courage, ma nièce! Allez, sublime cette rime! Le look de Taylor brille tel un diamant de cristal, une beauté fatale! Hey, c'est une bonne rime! On pourrait faire un groupe de rap! Je pense que ça pourrait marcher. Pas sûr qu'on va y arriver, mais on peut toujours essayer. Eh oui, pour l'instant, on va terminer ce tutoriel qui est devenu tellement spécial. Ah ok, d'accord. Pensez à vous abonner à notre chaîne, ça en vaut vraiment la peine. C'en est une bonne, ma nièce.
Rendez-vous dans le prochain épisode. À la prochaine, les amis VIP Pets. On se revoit très vite. Oh yeah.